On va refaire à l'ancienne. Hein. Faut arrêter là, le torpeur. Pourquoi il va dans le champ de mine, cet imbécile? Les îles n'ont pas l'air très accueillantes, monsieur. Je... Ouais, j'espère. Ça va, t'inquiète. Oui, tranquille. Je comprends qu'on s'y perde facilement. Oui, là, il y a du sel. Et ça se comprend parce que, bon, je lui dis. Je lui ai dit de se mettre derrière moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le champ de mine. Alors, je vais changer d'approche. Pour le moment, on va rester en colonne. Et ce que je vais faire, je vais me mettre au milieu du champ de mine. Un champ de mine. Il faut les faire sauter ou les contourner. Nos deux lanceurs vont travailler les champs de mine, regardez. Là, il y a un peu de sel, là vous pouvez comprendre. Je suis sûr que c'est Mitrandir qui est sur le torpilleur et qui fait n'importe quoi. Dites donc, monsieur, là, faut vous calmer, hein. Les moteurs tournent à plein régime. Note à moi-même pour les prochaines missions, ne pas donner de navire à commander à Mitrandir. Le passage est assez large pour le champ de mine. Bon, c'est bien. Pirate repéré, monsieur. Monsieur, pirate droit devant. Ok, là on est du pirate. Sors du champ de mine, toi, déjà. Oui, arrêt complet. Alors, toi, tu vas aller là. Toi, pareil. Un trou noir, monsieur. Oui, gardons nos distances. Un petit torpillage, allez. Oui, arrêt complet. Oh, torpille une. Ah, t'es sérieux, là, je... Hop, le sloop, c'est fait. Et en plus, on récupère le navire. Magnifique. On gagne 12 points hein, pour commencer. Pour la défendre, j'aurais dit que c'est... Pour le défendre, j'aurais dit que c'était Gilbert qui tirait. Ouais, on va dire ça. Allez. Donc, on va retourner voir ce que je devais voir ici. J'espère pour vous que l'expérience est agréable sur ce jeu, pour ce que vous voyez pour un jeu de 2002 quand même. Capitaine, épave en vue. Allons y jeter un coup d'œil. Timonier, accostez ce vaisseau. Allons voir ce qui nous attend. Monsieur, ce navire civil a été gravement touché. Des indices sur les responsables? Ou des traces de l'équipage? C'est difficile à dire, monsieur. Mais d'après toutes ces marques de harpons, je pense qu'il s'agit de pirates. Ils ont abordé le vaisseau, c'est certain. Le vaisseau devait être trop endommagé pour être volé. J'espère que l'équipage est sain et sauf, où qu'il soit. Ok. Oui, arrêt complet.
Vous sortez le torpilleur qui va clamer, canner dans la mission. Non mais je crois qu'il le fait exprès mon torpilleur, hein. Il veut vraiment se suicider. Hein. On a vraiment un torpilleur dissident ce soir. Hein. Oui, monsieur. Nouveau cap. Nouveau champ de mine. En avant, doucement, jusqu'à nouvel ordre. Nouveau champ de mine. Rendre à la prochaine, merci d'être passé. Complet, capitaine. Bonne suite, bonne nuit, on sait une limite rendir. Jusqu'au bout, quoi. On sait bien, toutes les mines sont en train d'exploser. Ça nous permet de nous faire un bon passage. Toi, tu cherches vraiment ton malheur, hein, mon coco. Monsieur, pirate où ça? Droit devant. Où pirate repéré, monsieur. Bon, oh, encore un cotre, ok. Et un sloop. Alors toi et moi, on va aller là. Toi, tu vas faire le tour. Non. Capitaine, un champ de mine. Il faut les faire sauter ou les contourner. Toi, tu vas t'occuper de ce torpilleur. Bien joué. Oh, joli. Il y a eu un bon move là. Génial, la voile du sloop de pirate est tombée. Ça nous laisse un bon avantage. Hop. Le sloop s'est réglé. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout ce que nous fait notre torpilleur. Il en plus. Oh là là, attention. Ah, ça c'est moins bon par contre. Les moteurs tournent à plein régime. Oh, il y a ces grottes là. Je m'en méfierais perso de ces grottes là. Bon, c'est bien. Première voile de tombée. Voilà, deuxième voile qui tombe, c'est cool. Attention à ces caronades ici. Normalement, ça devrait l'achever. Presque. Là, ça va l'achever logiquement, ce que j'en veux. Voilà. Je vais enregistrer parce que je me méfie. Hein. Test de croisière.
Ouais, je fais gaffe au trou d'or. Bon, ça va, il est un peu loin du comète pour le moment. Monsieur, regardez ce qui sort de ces grottes. C'est quoi ça? Des dragons de l'espace. Encore des mines? Capitaine, un champ de mines. Il faut c'est nouveau, les sauter ou les contourner. J'ai toujours cru qu'il s'agissait d'histoires à dormir debout. À tous les navires, virez de bord. Vite, éloignez-vous de ces îles. Il faut à tout prix éviter d'attirer l'attention des dragons. Attention, des dragons. On va passer par là, vite. Capitaine, les dragons attaquent. À tous les vaisseaux, manœuvre dilatoire. Canonnier, ouvrez le feu. Éloignez les dragons. On va vite se barrer du coin parce que ça pue du cul. Fameux dragons spatiaux, ouais. Vous voulez une photo d'un spécimen? Ouais, on va se barrer, hein. Ouf. Aïe, ils vont nous tomber dessus. Bon, on va très loin du dragon, ouais. Je suis d'accord. Je me souviens de quelque chose au nord. Ça devait être dans ce coin-là, je sais plus. Nous changeons de cap. Par contre, ils veulent pas nous lâcher, hein, les dragons. On va peut-être s'arrêter totalement. Ok, pas une autre mine planquée, ça va. Attention, timonier, des mines. Oui, monsieur, nouveau cap. Maintenant, vitesse pleine puissance. Allez. Ne me dis pas qu'ils vont suivre jusqu'au bout du jeu quand même. Non, on n'a pas dévié justement. Je me souviens d'un truc. Et puis on les amène jusqu'à la base pirate MDR. Oh le carnage. Oh. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un cotre. Comme nous, enfin sauf avec le canon à l'avant, mais... Que fait ce cotre ici, sans déconner? Bon. L'un des dragons, il se barre. Casse-toi. C'est un problème. Je me souvenais de ce navire-là, mais c'était il y a très longtemps, quoi. Monsieur! Cotre abandonné droit devant. Il a l'air vieux, mais intact. Les dragons ont dû chasser l'équipage. Nous pouvons probablement récupérer le vaisseau. Accostons et envoyons quelques hommes à bord. Alors ça, si on peut récupérer un cotre, moi je dis oui. Nouveau cap. Je suppose que tu le savais, Momon. Allez, maintenant on a gagné un navire supplémentaire là. Il aura son utilité.
oui, le navire fantôme. Et en fait, on en sait un peu plus, Momon. On est d'accord que c'est que des dragons. Y a pas, ils sont pas ailleurs. Hein, voilà, tout le monde revient. Sur ce navire-là, je me souviens plus. Donc, apparemment, c'est ça. Hein, c'est les dragons qui ont détruit, tué l'équipage, quoi. Ils seraient pas emprisonnés ou je ne sais quoi. Ne me dis pas qu'il s'est bloqué dans l'île, cet abruti. Apparemment, il s'est bloqué dans l'île. Bah, c'est pas plus mal. Reste tout était bien là. Où ils sont. Ah ouais, je suis sûr que tu peux faire le tour par là aussi. Hein. Oui, monsieur. Nouveau cap. Bon, c'est bien le coq, il va nous rattraper. Où ça? Où? Oh, on pourrait tenter un truc. S'il nous voit pas l'autre, on pourrait le contourner comme ça. Encore un sloop, c'est ça? Bah alors. Monsieur, pirate trois devant. Ah, on a eu la voile, mais ça a rien Ils fait. Ils doivent faire le guet. Il faut les capturer avant qu'ils ne s'échappent. À tous les navires en avant, toutes. Que les troupes d'abordage se préparent. On va la voir. Très bien, viens là toi. Oui, monsieur. Il sera obligé de nous canarder. Déjà, ça règle le problème. Bien. Bien joué, là il a plus de vol. On lui est tombé dessus comme il fallait. Allons capturer vite le canot. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, il y a un dragon qui revient, c'est ça? Monsieur, le vaisseau pirate a été capturé. Détruit. Et l'équipage fait prisonnier. Capturé aussi. Excellent travail. Vous ont-ils donné des informations? Ils se sont montrés très loquaces quand je leur ai expliqué combien les dragons sont impressionnants par rapport à leur petit canot de sauvetage. Ils ont dit qu'il y a une base au nord d'ici. Les pirates l'utilisent pour retenir leurs prisonniers et réparer les vaisseaux capturés. Bien joué, monsieur Onyx. Cap au nord-ouest, doucement. Et essayons de ne pas nous faire repérer par ces pirates. Mon foutu dragon, là. Par contre, le Summerside, là, il me fait quoi, lui? On va se regrouper, déjà. On va se mettre en ligne. Si jamais il s'approche un peu de trop. C'est bien, casse-toi. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Bon. Et là, je pense qu'avec la flotte qu'on a... Il y a moyen de faire des choses. Nous changeons de cap. On va juste attendre que le Summer Strike nous rattrape. Parce qu'il traîne un peu de la patte. Hein.
Bon. Deux coques, un sloop, un torpilleur, c'est pas mal comme, flotte. C'est pas la mer, les 8e merveilles du monde, mais c'est déjà pas mal. En avant, doucement, jusqu'à nouvel ordre. Alors moi perso je le trouve intéressant, bon il change un peu graphiquement, il a l'air peut-être un peu plus accessif aux gens casus, mais je trouve que, enfin moi je vais faire que les campagnes multives que je m'y intéresserai pas, mais je le trouve intéressant, et on verra d'autres pentes d'histoire aussi avec les campagnes, c'est surtout ça qui m'intéresse. Alors on a une collective, on a le vin indicatif, c'est quoi ça? Une barque, ok. Monsieur, cette île étrange doit abriter la base des pirates. Regardez ça. On dirait qu'ils construisent une flotte de guerre. En effet, monsieur. Nous devrions rentrer présenter notre rapport au poste avancé de Regina. Je pense que vous avez raison, monsieur Onyx. Nous allons... Attendez. Regardez. On dirait une enceinte. Je parie que les équipages de tous ces vaisseaux civils sont là-dedans. Pas question de les abandonner. Et si les pirates les déplacent avant l'arrivée des renforts? Si j'ai bien compris, nous allons attaquer, monsieur. Oh, ne soyez pas rabat-joie, monsieur Onyx. Regardez, nous pouvons détruire les voiles des pirates tant qu'ils sont encore à quai. Puis nous attaquerons au canon les portes de la prison. Le temps que les pirates prennent de la vitesse, nous serons revenus et les prisonniers pourront profiter de cette diversion pour regagner leur navire et nous aider. Vous voyez, c'est simple. Bien sûr, monsieur. Tous à vos postes de combat! Allons-y! Je l'aime bien, monsieur Onyx, c'est rigolo quand même, comme personnage. Bon, maintenant, à nous de jouer. Pirate repéré, monsieur! Toi, tu vas me torpiller lui. Toi, t'as intérêt de bouger. On va essayer de ralentir la barque, déjà. Eh, j'adore le moment de cette mission avec la musique. Nous changeons de cap. Voilà, déjà, il s'est pris. Hop, on va commencer à moucher les voiles. Parfait, première voile tombée. Ça, c'est cool. On va... Il faut détruire la barque. Hein. On va tenter de la moucher au maximum. Ça s'active. Bon, il y a déjà la première goélette là, elle va vite tomber logiquement pour ce qui reste. Voilà, bien joué. Et deux. Il va pouvoir les récupérer, j'espère. Toi, vise-moi là. Et deux. Là, on va taper un coup de canon des portes. La prison. Yes. Sur les tirs, messieurs. Il n'y a plus de voilà, marque. Double tir là. Continuons à occuper ces pirates jusqu'à ce que les civils se joignent au combat. Il y a un champ de mine là-bas, vous avez vu ça? Oups. Regardez. La porte allait péter, Momon. J'avais tout prévu en fait. Si on détruit cette barque là, on se met plus. On est bien. Bon, par contre, lui il a. Oh, le Summer Strike, qu'est-ce qu'il bouffe? On va peut-être le perdre. Hein. Aïe 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 aïe. On a perdu Summer Strike, dommage. Bon, il aura fait son taf.
Ah, dommage. Bon, là, cette barque, elle est quasi naze. Hein. Ok, le coffre est neutralisé. Bien joué. Qu'est-ce qui reste? Le vindicatif vient de tomber aussi. Ils prennent des dégâts si tu tires sur tes vaisseaux. Bien, absolument. On a perdu un des deux coffres. Je crois qu'on les a tous eus, hein. Parfait. Capitaine, tous les vaisseaux pirates ont été détruits ou capturés. Et tous les prisonniers civils ont été secourus. Génial. Bien joué, messieurs. Monsieur Onyx, placez ces civils en formation de convoi pour le voyage de retour vers le poste avancé de Regina. J'irai jusqu'à la base pirate pour essayer d'en savoir plus sur ces constructions. Il y avait un champ de mine là-bas. Eh mais il y a des épaves de navires en fait. Ça je crois que c'est un navire de ça c'est des navires de la marine ça. Peut-être pas celui derrière, je pense que c'est une carac. Une fois les pirates vaincus et enfermés dans leur propre prison, mes hommes et moi avons eu tout le loisir de fouiller leur base. Je n'aurais jamais cru que les pirates étaient si bien installés et organisés. Ah bah ça. Heureusement que nous les avons surpris pendant leur sieste. Sinon cette bataille aurait pu très mal tourner. Plus j'explorais les lieux, et plus il semblait évident que les pirates étaient en train de construire une flotte de guerre. Mmh. Mais rien n'aurait pu me préparer au choc qui allait suivre. Au poste de commandement des pirates, parmi des douzaines de cartes et d'itinéraires de marine marchande des territoires nationaux, j'ai découvert un message fatidique. Capitaine Folsom, il est temps d'attaquer, vieux brigand. Rassemblez vos forces. Et rejoignez moi et le reste des clans des pirates à notre base principale. Si nous réussissons, le butin dépassera toutes nos espérances. Capitaine John Silver. Voilà, donc on confirme bien que John Silver est dans le coup. Ah, ah. Donc ça commence à expliquer pas mal de choses sur ce qu'on a vu depuis le début du jeu. Ouais. Donc on va essayer, par mon avis, on va peut-être pas tarder de recroiser le John Silver. Je sais pas quand, mais ça ne saurait tarder. Bon, on va s'arrêter là, cette mission 6. Bon, on a perdu le code qu'on nous a récemment rejoint, mais bon, c'est comme ça. Mais globalement, ça en est plutôt bien tiré. Voilà. Allez, je vous dis des prochaines YouTube. Des gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.